Amis téléspectateurs HPM, bonsoir. Voix PAM, c'est Lalanne Fritz depuis Port-au-Prince, capitale Port-au-Prince, pays d'Haïti, qui va l'informer de toute actualité qui a dominé sur le territoire national pays d'Haïti. Bonsoir, Béni Jabner, c'est un plaisir. Pour journée qui c'est jeudi, vendredi 7 juillet 2023, pour présenter pour téléspectateurs HPM, information sans mélange sur l'actualité qui a brassé bille pays d'Haïti. Nous disons bienvenue à Super Branché, téléspectateur HPM qui est toujours fidèle à l'émission pour la grand dossier, une émission qui pas jamais campé 7 sur 7, infatigable émission pour connaître tout ce qui a passé à travers le monde. En même temps, ça qui a brassé Bill, République d'Haïti. Information qui a tchatchakol sous territoire, Jean Tekonen, jeudi assez. Vendredi 7 juillet 2023, qui marquait de l'année assassinat ancien président Jovenel Moïse, gouvernement haïtien a décrété journée deuil national. MSF, Médecins sans frontières, ONG qui a bail service santé en Haïti, fermé l'hôpital Tabar suite à un drame qui était produit là-dedans. De l'année après la mort Jovenel Moïse, résultat bâillon catastrophe politique, sanitaire et sociale du jamais vu. Rien pas clair sous éventuelle mission de paix en Haïti. Jean en pile moun tapton ça en la réunion Conseil sécurité Nations Unies, jour qui était 6 juillet 2023. Bah, yon pile. Yon pa piti et yon pa mince. Qui te m'plein. Avant de rentrer dans le détail, yo, n'a pas rentré dans sa que dans la rue, qui yon même toujours a fatigué l'estomac société à dans fonctionnement, yo. Dite 2h30 minutes, côté yon te vide ak bal. Yon homme dans zone Bois Moquette et monsieur lui-même était habité dans zone et c'est comme quoi monsieur t'a fait partie de un groupe dans Bozier monsieur Taïwen Lamoli en Bakatouche qui est lié en pile commentaire. La rue dans Port-au-Prince était comblée avec manifestation. Depuis 11h45 dans matin, manifestation t'a remonté la rue en direction Bourdon. Et depuis le tête Bourdon, c'est la KPM Ariel Henry dans Musso qui a mis tête. 11h30, rassemblement dans la rue, et programme manifestation, c'était prendre rue panaméricaine dans Pétionville, passer Pétionville, Juvenal, Canapé Vert, Rivé Champ de Mars, et il y a l'autre cérémonie qui était sortie Pétionville. Al monter, passer avenue Martin Luther King et la police lui-même te gen travail pour le te faire jodi a, même si rassemblement moun tap tannan pas aussi étonnant, mais c'est marqué joie qui était vraiment intéressant puisque un président qui tombait pas n'importe qui. Au cap haïtien, pas de bien grand cérémonie qui était organisée. Mais tu connais, tu as gagné une messe dans la cathédrale dans au Cap Haïtien. Bon côté la KPM président ancien président qui c'est PLR5 ancien ministre et ancien ministre pour nous capable Noni Joasius c'est ça Joasius Nader l'ital déposé une gerbe de fleurs. La CAI président Jovenel Moïse, jeudi 7 juillet 2023. Bon côté par gouvernement, t'es une cérémonie qui t'est organisée en dans Mepana pour te déposer yon gerbe de fleurs nan pied photo Jovenel Moïse. Yon cérémonie qui t'est faite sous fond de bébé, quel que soit officiel qui t'est présent, pas gon mot craché nan bouche. J'entendais là. Jean diaspora haïtienne en République dominicaine, qui était composé avec pasteurs chrétiens et citoyens ordinaires, après le défilé pacifiquement dimanche 9 juillet 2023
pour attirer attention communauté internationale là sur crise humanitaire, sociopolitique et sécuritaire que Haïti a traversé et bagayo y a mal tourné. Ministère intérieur et la police dans la République dominicaine pas autorisé marche ça qui convoqué par diaspora haïtienne pour dimanche qui 9 juillet 2023 qui pral vin là. Ministre Val Vasquez Martinez affirmé que c'est illégal pour étrangers vin fait des marches en République dominicaine et avec interdiction yo pour type de manifestation ça organisé. Ministère intérieur et la police nationale là t'es déjà ratifié yon engagement et après t'es ferme dans respect loi République dominicaine et en particulier dans ça qui vient pour établi avec la loi générale sur migration selon déclaration ministre Valques Martinez bagayo yo mélangé dans la diaspora haïtienne en République dominicaine. Jeudi qui était 6 juillet 2023, Ruel Bozo qui avant prend lison, dit qu'on a un kidnapping et en même temps vers 11h, gagné une voiture qui était gagné et une voiture qui était c'est marque Nissan Patrol qui était engagé avec une machine next suspect qui t'a suivi, t'est rentré dans derrière un bus et là monsieur qui t'a tenté enlever mon sayo, t'es passé droite vu que dans zone côtoya c'est pas une zone sortie, t'as fait trop facile et ça t'est compté comme une tentative kidnapping. Pourtant dans matin t'es gon tentative t'es gon kidnapping qui t'est enregistré jour qui t'est 6 juillet 2023 dans Ruel Bozo et ça dans après-midi où t'es connecté après la coucher. Yo kidnapping de moun te enleva tout machine yo et ça qui t'arrivé journée jodi a en pile moun te ka remarqué plusieurs backup unités spécialisées la police nationale te aux alentours de bon repos mais pour quelques observateurs est-ce que c'est recherché a chercher moun qui te victime de cas enlèvement jour qui te sa, jeudi dans après-midi vers 7h20 dans après-midi Delma 19 zone Ona. Il y a deux nègres à bon moto qui t'a tombé en bas yon attaque. C'était vers 1h nan matin. Moun nan zon nan te ka remarqué action ça. Kote yon nan monsieur yo brûlé à toute moto yo et l'autre jeune homme nan lui-même li te longé à baigner nan san li nan zone Delma 19. Qui t'aime plein bagay yo pa mince. Mozart Valérie qui gen 32 l'année. Les mêmes qui prend yon bal nan propre zamni zam sa te chire deux concombre qui te nan testiculi sont arrêlé ti concombre qui en bas pantalon garçon ça passé jour qui te 6 juillet 2023 nan cité la paix nan Wanamet. Mouche Valérie ta gardé sous surveillance nan l'hôpital Fort Liberté cause mouche ta membre yon groupe armé nan Mapou ou bien yon côté qui t'a tout collé cité la paix et monsieur en bas testiculi ou connait nègre qu'on parlait de sonore dans question hein et bien zam monsieur qui gen les bon balles qui chapé la donne t'a châtré monsieur côté deux concombio situé balle la lui-même li passé dans mi-temps et puis il mettait problème en bas pantalon petit bonhomme là victime dans lui-même yo t'a transféré li nan l'hôpital Fort Liberté puisque Talia qui gen en bas pantalon nan li ta compliqué et c'est ça qui ta cause li transféré nan yon lot l'hôpital zam nan yo pat retrouvé zam nan nan moment Valérie ta prend soin que Kali nécessité. Médecins sans frontières tête chargée. Problème pour Médecins sans frontières qui pour une troisième occasion ferme l'hôpital ça. ONG Médecins sans frontières suspend toute activité gagné dans l'hôpital Tabar qui trouvait en Haïti. Les dit les protester contre intrusion violente jeudi qui était 6 juillet 2023 20 hommes armés entrés dans enceinte l'hôpital là
et enlevé de force un patient qui était blessé par balle dans plein opération. Qui t'aime plein, hein? Bon repos à hauteur de marché Serradotte. Dans rond-point, bon repos qui fait intersection entre national numéro 1 et national numéro 3 en passant par en bas Mont Gabrit. Yon citoyen qui t'a circulé à pied. T'es trouvé dans rond-point bon repos. Et citoyen joint enlèvement, quoique pied le bon, li courir pour échapper. Mais ça pas de servir en rien. Yo te prend le bourré dans la machine. Allez à Cli. Ça passait vers 10, al pour 11h dans matin. Ça qui t'a occasionné un gros courri dans bon la zone côté Koussa, li situé. Pour monter, qu'on ait plusieurs courris, plusieurs dérapages. Mais jouk, nan minute nan présente ou info la, nou pa an mes yeux pour nou bon détail qui ta la cause kouri sa yo. Jodi an konnen, c'est un jour spécial pour question de commémoration l'an mort Jovenel Moïse, yon 7 juillet. Deux ans après l'an mort Jovenel Moïse, nan ki état société a trouvé l. L'état haïtien ta déjà nan coma. Dans situation Haïti retrouvelle journée jodia 7 juillet Haïti connaît une journée de deuil national dans mémoire Jovenel Moïse journée nationale nous connaît journée jodia pour un président élu assassiné c'est même bêtise intellectuel analphabète betio produit même scène 17 octobre 1806 assassinat empereur Jean-Jacques Dessalines. Ça pas traité là? Yon 17 octobre 2018. Classe politique démolisseur pays. Te fait bandit calonné. Jovenel Moïse Koutroche devant tombeau Dessalines. N'a pas avancé pour nous dire, faut que nous rappeler nous tout. 28 juillet 1915. Même moi ça pral marqué assassinat Vilboin Guillaume Sam, yon l'autre président qui t'a dirigé pays d'Haïti qui mourit sous pouvoir. Ça a quitté accouché à qui yon débarquement l'armée étrangère en Haïti en 1915. L'armée qui t'a banon indépendance non t'écrasé en 1915 qui t'a relé l'armée indigène à l'époque qui t'a gagné 20 000 soldats la donne pour 2 millions d'habitants. 1915 à 1934, te fait nous 19 l'année sans pas gagner l'armée. La Kaino t'a dirigé Haïti, c'est ton l'armée internationale. 1934, l'armée internationale a été inventé yon l'armée pour nous, mais on l'armée qui était mal dressée. Sorti 1934 al bout 1957, l'armée ça t'est accouché près de 4 coups d'état. Arrivé Duvalier au pouvoir, t'est maîtrisé dilemme question coup d'état 29 ans après en 7 février 1986 Duvalier tombé l'armée pépère internationale là de 86 à 1994 accouché près de 5 coups d'état et en 1994 il était écrasé international sous l'armée ça a été écrasé et international là sous complicité classe politique là yo poussé nous yon force police mal dressée qui est-ce qui était moniteur c'est Canada la France avec les États-Unis même pays yo je dis à c'est eux même qui a fait gogoge comme quoi si nous ta tombé dans insécurité yo pas complice c'est nous qui cause insécurité nous pourtant y a reproché la police nationale là qui manquait professionnalisme qui est-ce qui était professeur qui est-ce qui paye, qui est-ce qui nomme chef en la police nationale là? Yo même. Qui est-ce qui fait séminaire? Yo même. Na comprendre. Sous présence force police internationale ça, force sous présence force police sous présence force police là internationale là, force deux présidents qui étaient pouvoir. Pendant que nous parlons l'armée, nous parlons coup d'état, histoire s'il vous plaît. En présence force police nous gen là qui était assisté par yon parti nan international là t'est forcé deux présidents qui étaient pouvoir nous rappelons 29 février 2004 et nous rappelons tout
lorsque Kenneth Merton t'a forcé Michel Joseph Martelly pour le bail démission. Pas de l'armée, mais international a vu faire coup d'état pour nous son l'autre forme. Même pimpin plat. Même force police a livré un président. Et livré un président, bah yon pile politicien, intellectuel, analphabète, ak étranger, comme Tchoul, et puis pour t'assassiner président. Qui est-ce qui a supporté suspect dans le gouvernement ça encore? Vous va poser question ça? Je dis à le gouvernement qui l'a chargé à suspect dans l'assassinat président. Qui est-ce qui supporte international? Vous saisissez? Et c'est même Canada, la France, avec les États-Unis, qui a parlé de formation PNH. Pourtant, il n'y a pas intéressé à demander PNH à combler. Quantité policiers qui démissionnaient, ça qui désertaient, ça qui abandonnaient pour sûr, ça qui révoquaient tout, ça qui sanctionnaient, pour remplacer eux, monter effectif là à 30 000. Pas bien ça. Nous venons prendre international là, très au sérieux. Pendant l'imité, l'armée d'Haïti a quitté formé là, remonté là en otage. N'a pas capable comprendre, insécurité noire n'est pas aussi simple que nous prendre. Qui l'a coucou te bien frisé pour le faire petit lit pour le tabal poté non frisé lia. C'est ça ne pas de comprendre. 7 juillet 2021, vini 7 juillet 2023, de l'année après résultat qui s'albaille. Résultat accouché yon catastrophe politique qui mettait l'État dans yon coma surstable et en même temps grave. ONG Médecins Sans Frontières suspend toute activité dans l'hôpital tabac. Toujours d'où qui t'aime plein. Ils suspend toute activité dans l'hôpital tabac. Ça intéresse, c'est qui ça te produit qui la cause yon situation pareille. Raison qui avançait, Médecins Sans Frontières protestait contre les examens qui entraient violemment dans l'enceinte de l'hôpital là, jour qui était 6 juillet 2023. Quand ils étaient armés, t'es plus que 20. Négocier tout gain examen en main. Prend patient qui était blessé, pour y aller prend patient qui était blessé. Et patient était blessé par balle qui était déjà dans salle opération. Dans moment. Dans moment 20 nèg yo rentre l'hôpital MSF moun ki pa de gen tan al caché a tout fait exam fait yo coucher à terre exam nan tête yo an don l'hôpital 20 nèg yo fouye tout l'hôpital là pour joindre ap chercher malade al trouver malade là dans salle opération malade là était déjà sous anesthésie et c'est un brancardier. Yo forcé faire retirer tube là croak brancardia de dio docteur et pas docteur lié et après yo aller ak patient. Mais tout ça n'a pas là ou pas quelques questions pour le poser. Qui groupe qui t'est rentré l'hôpital là? Moun yo prend qui est lié? Ka grave. Faut que moi di ou c'est pas un groupe qui fédéré non qui porte non gang en Haïti yo. Ça nous dit qu'ils sont dans ghetto. C'est pas un yo. Ou kamando, est-ce que c'est fantôme? On va pas répondre. Ou ta capable dire tout, est-ce que c'est attaque qui opérationnelle? Si attaque ta opérationnelle, c'est pas comme ça t'a commencé. Pas mandem tout si c'est mercenaire. Tom pousse étranger. Non. Toute question ça aucun bayo pour. Mon tare me mande ou bien poser tête toute question ça ne sort dit là yo qui histoire exactement haïtien a pour tracer pour quitter pour ti moun k'ap vini yo puisque ancêtre qui ton belle histoire pour nous société kadomé si ça qui ton histoire tête en bas pour nous en histoire de la ronde mais est-ce que n'ka prend 2023 dans 2 ans l'an mon président pour accoucher une histoire de cette manière nèg yo rentré prend en dans l'hôpital MSF là qui moun lié eh bien c'est un nèg qui lui-même personne par contre qui salte gain avec un policier youn by l'autre balle soit information avancée que policier ta mouri ou bien ta prend balle et monsieur lui-même ta prend balle dans bras
Il était couru lui-même à l'hôpital Bernameuse qui pas bien assez place. Te référé le MSF dans Médecins sans frontières dans commune Tabar. Et Venegio, qui est ce? Eh bien, 20 messieurs, l'hôpital n'a pas dit si c'est police qui est. Mais c'est 20 nègres armés qui avancent. Est-ce que c'est police milice, ou bien c'est police à tout faire, ou bien c'est police qui t'a cherché vengeance? Tout ça, c'est une question à poser. Mais, je ne m'a pas la couleur. Pas grand-qu'un élément d'information qui avançait. T'as gagné un policier qui prend balle, qui mourit. Presse là pour enregistrer. Donc, appareil. N'a pas rappelé Bundou, Médecins sans frontières campé sous toute activité le tabac. Ça fait troisième l'hôpital ONG Médecins sans frontières qui fait main. Matissan te commence en vent, les nègres examen d'envahil. Passé mais prend douillard. Même gens, cité soleil. Et à l'autre côté commune Tabar, c'est même ambiance là. À travers zone métropolitaine de Port-au-Prince, Médecins sans frontières gagne pour piviti 4 l'hôpital. On est capable de comprendre. Sous un détail toujours, ça grave. Pas mettre soir sous l'hôpital général. Il y a un qui est en construction et ça qui là existe seulement de nom. Dans le jour qui s'est passé là, l'hôpital communautaire Bon Repos, tout col des Canarans, des Chouquets, en bas de l'examen. PNH, bon côté, il y a l'hôpital dans Bon Repos, dans le Carrefour, pour Bon Repos, qui existait pour la galerie. Nous sommes en slogan international, là, OMS, c'est qu'on l'a gagné santé pour tous en l'an 2000. Mais, nous en 2023, est-ce que de 2001 à nos jours, mot santé pour tous là, changer en vous en pour tous. L'hôpital Zami la Santé, Kabay Service, gen yon groupe électrogène qui loue nan men neg ka fè marché noir à courant yo. Et c'est même neg sa yo tout qui kon alimente blackout, l'or EDH a propose négligent. Ou ta mande m combien kop Zami la Santé louel? $30,000 US par mois. Yon comprenne. Est-ce que M. Sayo a intérêt pour quitter l'idéal par courant? Ici, dans le pays d'Haïti, quitter l'hôpital, on a tombé dans le cimetière. Ici, même mort, il y a une revendication. Cimetière Port-au-Prince, mort a plaigné pour voler, capter des princes et la guerre tête en bas dans la cave. Mais quand l'autre plaigné voler a fait, c'est que mettre cave yo qu'on fin louer pour un an, depuis des mois, yo prend moi, soit on met le sac enterré, ou bien on met 10 fait la donne. Pour qu'à louer, c'est que louer qu'à l'autre monde rapide au presto. Cimetière privé au même bon côté par eux, il y a une grosse difficulté. Tant que cimetière qui relè lui-même pas oubliette dans tabac, même si on monte à intéresser enterrer dans le coin ça, il faut que le chef zone là au courant ou pour payer passage. Et parfois, même si on paye passage, quand si on a un dérapage dans le coin, il faut mieux qu'on campe juste route frais pour pas même qu'à ouer. Comment cadavre a dénaweli enterré qui t'en plein. Si nous parlons de cimetière, nous parlons de l'hôpital, des côtés ça c'est mort ou bail ou bien libération. Il y a monde qui mourit dans prison, surtout en Haïti, gagne yon parler ça génocide, mais grand crime contre l'humanité qu'a fait dans prison là, yo pas bail manger, prisonnier réduit puis mal par son bête, yo pas nourri, jour que mouri par 4 par 6, ça va garder en ken l'état, ça va garder en ken monde. Prison ici de passable. Si nous t'apprenons histoire récente, titanien, commissariat qui a attaqué tout, abandonné, station gaz qui n'a lutté avec l'État pour faire prix, pas vle bay gaz. Ça c'est problème Haïti. Léo Douli nan koma, c'est nan koma lié tout bon. Nèg avocat ou gang, l'église, médecin, secteur privé, gang, parti politique, te dit que Jovenel Moïse qui te problème là. Une fois que Haïti a débarrassé avec Jovenel Moïse, tout bagay a tourné en place. Je dis à m'ta capable poser question, qui est-ce qui problème là, je dis. Ça fait 2 années Jovenel Moïse en batté. Mais problème n'est pas situé là. Et c'est unique raison que nous gagnons, c'est que problème n'est pas là. C'est tout le monde, tout Haïtien qui problème là. Tout Haïtien qui passe dirigé là. Si yon akor, al tombe dans HCT, ak PM Ariel Henry,
problème nan pi red nan fisti wan nou. Gros problème nou genyen, anken haïtien pa pran konsyans. Et deuxième problème nou genyen, c'est en question de tout koukou ke repouje ou. Troisième problème nou genyen, nou préfère péton genou pou ka pété déhé l'autre la pou pa wè du tout, nou même na wè trou. En société de cette manière, pa ka wè pi wo ke pointnel et s'il rive wè de pau bouche li a pointnel, c'est pi gros miracle ki ka fait sous la terre pour Haïti vu que nan état société sa yè la, c'est yon société de la honte. Façon n'a fonctionné. Nous montrer youn koulot pour haïtien pareil nous dégoûtant tandis que pour étranger nous obéissant voilà pas M. Lalande Fritz depuis Port-au-Prince qui t'a informé pour HPM. Au revoir.